Et puis nous irons dans le nord de l'Italie, où les ours de plus en plus nombreux se rapprochent dangereusement des hommes. Un jogger a été tué il y a 2 semaines. En Italie, une ours qui avait tué un jogger au début du mois a été capturée par des gardes forestiers cette semaine. Les autorités locales souhaitent l'euthanasier. L'attaque mortelle a relancé le débat sur la forte présence de l'animal dans le nord de l'Italie. Les habitants se trouvent régulièrement confrontés à des ours agressifs. Nos correspondantes Raphaël Shapira et Laura Tossiti. Ils s'approchent de plus en plus près. Venez voir, venez voir. Ici, en mai dernier, au balcon des maisons du village de Caliano. Il part tout seul, il a peur. Ou sur ces collines, en bordure de forêt. L'ours est à quelques mètres à peine de ce jeune garçon. Ne te retourne pas, lui n'est pas intéressé par toi. Qui ne doit son salut qu'à son sang-froid et à celui de son père. Des confrontations de plus en plus fréquentes qui ont conduit à la mort d'un jogger de 26 ans, c'était au début du mois d'avril. L'ours incriminé, JJ4, femelle de 17 ans, qui après 10 jours de traque dans les forêts du Trentin, a été capturée. Réintroduit en 1994, les plantigrades sont désormais plus de 120 dans ces bois. Trop nombreux pour les autorités locales. Il y a eu trop d'attaques ces dernières années et ces derniers mois, dont la mort d'une personne. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Cela montre que le programme de réintroduction est un échec. Pour garantir la sécurité publique, les autorités de la province ont annoncé vouloir abattre un autre ours, MJ5, qui a blessé des promeneurs au mois de mars dernier. De quoi provoquer la colère des défenseurs des animaux partout dans le pays. Nous sommes du côté des animaux. Laissez cette maman ours tranquille. Est-ce que vous appelez ça protéger la biodiversité? Jusqu'à preuve du contraire, chaque ours du Trentin appartient au patrimoine naturel des Italiens. L'animal capturé a été enfermé dans ce centre, le seul d'Italie à pouvoir accueillir des ours. Une dizaine de spécimens du Trentin doivent être déplacés sans que leur destination ne soit encore précisée.